c'est Squala. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur ma chaîne YouTube. Une vidéo de duplication. Donc voilà, juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, go les 13 000 abonnés, ça me ferait super plaisir de les atteindre très rapidement. Donc voilà, aussi, on vise les 200 likes pour cette vidéo. Donc voilà, je sais qu'on en est capable. Donc voilà, 200 likes, ça me ferait vraiment hyper plaisir, les potos. Donc voilà, imaginons toi derrière ton écran, tu likes et t'es le 30e like. Bah, n'hésite pas à me faire savoir en commentaire. Tu mets t'es le combattième like. Et voilà, je likerai ton commentaire et je mettrai un gros cœur dessus et j'y répondrai sûrement. Le serveur Discord, comme d'habitude, il est en description. Tous mes réseaux sociaux sont en description. Insta, Snap, Twitter, Discord, comme je viens de le dire juste avant. Et voilà. Donc déjà, pour commencer, ce glitch de duplication, évidemment, il marche sur toutes les plateformes, que ce soit sur PC, Xbox One ou PS4. D'ailleurs, le glitch a été réalisé sur PS4 par un abonné à moi. Donc voilà, sa chaîne sera simplement en description. C'est Diablo Glitcher. Je le remercie énormément pour ce gameplay. Voilà, tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, je compte sur vous. Donc voilà, donc déjà, comme dans la vidéo, vous pouvez voir, il faut simplement avoir un garage à 10 places et le remplir de Elegy RH8 et juste avoir le véhicule que vous voulez dupliquer en plus. Donc moi, pour ma part, c'est le véhicule que vous voyez tout simplement devant vos yeux. Que cela est fait, vous devrez tout simplement télécharger l'activité qui est tout simplement en première ligne de description. Donc voilà, c'est une activité dans une liste. Donc voilà, c'est très important de la télécharger. Donc voilà, donc là on va tout simplement la lancer. Évidemment, vous aurez juste besoin d'un ami pour lancer l'activité qui est dans la liste. Donc voilà. Donc voilà, une fois que vous êtes bien à deux dans l'activité, que vous avez un pote à vous qui vous a rejoint, etc., vous pourrez tout simplement lancer l'activité. Là tout simplement, je vous demande d'accélérer parce que voilà, c'est pas trop intéressant, mais en gros vous devrez faire la mission tout simplement. Vous devrez juste aller traverser un endroit sur la map simplement. Vous arriverez ici devant le casino. Vous devrez tout simplement vous rendre au ranch comme la mission l'indique. Donc voilà, donc moi je vous laisse en accélérer une fois qu'on est arrivé là-bas et voilà. Donc voilà, donc là on est bientôt arrivé au ranch, donc au lieu de destination tout simplement. Une fois que vous êtes arrivé tout simplement, vous devrez tout simplement faire un demi-tour et vous rendre au garage où vous avez tout simplement acheté les Legi et tout simplement mis le véhicule que vous voulez dupliquer. Une fois que vous êtes arrivé tout simplement, vous devrez tout simplement rentrer dans le garage tout simplement. Votre pote devra bien rester dans la voiture. Donc là vous allez prendre n'importe quel Legi RH8, je vous conseille de prendre la première, c'est mieux. Vous allez tout simplement sortir de votre garage. Une fois que vous êtes sorti, vous avez juste à descendre et à rentrer directement dans votre garage. Donc là, vous allez tout simplement prendre le véhicule que vous souhaitez dupliquer. Donc vous allez faire comme la Elegy RH8 juste avant. Donc vous allez sortir de votre garage. Donc vous aurez pu voir que là, Elegy a respawn, donc ça c'est très important. Si elle ne respawn pas, c'est que ça ne marchera pas. Une fois que cela est fait, vous allez tout simplement ouvrir votre inventaire, donc votre pavé tactile, avec votre pavé tactile. Vous allez faire véhicule et demander un véhicule personnel. Là, vous allez devoir attendre un peu que la livraison en cours se fasse. Normalement, ça va vous mettre un message comme quoi vous êtes déjà avec un véhicule personnel. Donc voilà, vous utilisez déjà un véhicule personnel. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez reculer, avancer et reculer pour simplement rentrer dans votre garage. Et là, quand vous allez rentrer, vous allez voir que la première Elegy RH8, quand on est sorti du garage, elle s'est remplacée par le véhicule que vous souhaitez dupliquer. Donc voilà, c'est vraiment un glitch vraiment bien. Moi, je vous laisse en image et en accéléré. Vous pouvez voir qu'on peut le faire en illimité. Moi, je l'ai fait qu'une fois, donc en tout, j'ai dupliqué deux fois le même véhicule. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous faire un max d'argent. Donc voilà, c'était Squala. Allez, ciao.